Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Blood Omen Legacy of Kain. On est toujours dans la ville, à côté de Nupraptor. Et pour continuer notre chemin, on a besoin de casser ici. Ce qui nous permet d'avancer. Ça fait très Metroidvania en fait, hein, quand on regarde. Et là, on a de nouveau des passages, une maison, etc. Alors cette masse, en deux coups, est calme. Esten, et du coup, repas. Mais c'est le deuxième coup qui stun. Il faut quand même maîtriser le truc, hein. Et non, c'est pas le bon chemin que je fais. Ok. Voilà. C'est Nowhere. Le sang des âges coule, si délicieux. Venez vous abreuver de notre sang. Ton énergie magique revient plus vite, car notre sang fortifie. Cool. Merci, madame. Que je reprenne. Donc là, on monte. Ligne droite, une maison, ligne droite. Bim. Il y a longtemps, nous apprîmes qu'une odeur infâme s'était abattue sur certains villages éloignés, tout à fait à l'est. Ces rumeurs ne nous avaient pas bien préparés à l'horreur qu'était la peste. Ah oui. Vae Victus ! Les vers et les asticots se nourrissaient de sa chair suppurante. Une odeur de sang impur se dégageait des blessures desquelles il se régalait. Dommage. Du sang impur. Ouais. Quel gâchis. Courage. Ah, pardon. Ah là là, il parlait. Kouragan, c'est sa ville natale. Ah, c'est l'épée de feu que j'attends. Ouais. La peste. C'est comme ça. La mort et la maladie régnaient dans les rues. Les cadavres gisaient, la plupart à l'endroit même où ils avaient rendu l'âme. Un parfait retour au foyer. Alors, Kouragan, on a pas mal de choses là. Ah oui, oui, y a de quoi faire avant de... Avant de sortir des lieux, d'ailleurs là, je vois un passage au nord. Je sais pas comment on peut y aller. Donc pour l'instant, on va aller, il y a deux maisons sur la gauche. Première. Ouais, c'est sympa. Hein. C'est pas ici qu'on va se nourrir. En gros, c'est ça. Bon, en tout cas, vraiment très léger. D'accord, ouais, il va y avoir des barrages de cadavres.
Victas! Vei Victas! Ok. Un peu de vie. Ouais, celle-là, je l'ai faite. Et là, on peut pas passer. On peut pas passer. Nouveau pouvoir. Oui, on va sauvegarder. On sauvegarde et on va partir sur la suite. Ok. Rien d'ouvert. Si. Allez, les trois d'un coup. Bim. Bon. La masse bien et pas bien en même temps. Mais pratique quand même, parce que ça étourdit tout simplement. Eh, hey, il y a le pouvoir juste au-dessus. Eh. Hey. Je vois pas de... Voilà, l'autre il tire tranquille. Ah là, les trois d'un coup. Putain, une esquive, un truc, ce serait bien ça. Et toi, je t'avais pas vu. Allez, on esquive ça. Allez, ça, on, comme ça on recharge. Voilà. La vie augmente vite, hein. Voilà. On est revenu. Porte suivante. Ha 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 ha!
Vae Victus! Vae Victus! C'est bon. En revanche, là, les squelettes, je pense que y a un coup de changement d'arme à faire. Voilà, hop hop hop. Ouf. Moi j'ai foncé comme un dingue. Voilà. Putain mais c'est... Je me rappelle. Je fais de la merde. Voilà. C'est quand je regarde qu'il n'y a pas d'ennemi, je me fais avoir deux fois à aller directement reprendre de la vie. Voilà. Ce sort me permet de m'entourer d'une égide protectrice. Elle renvoie tous les sorts jetés sur moi à leurs expéditeurs. Au bout d'un certain temps, cependant, ce sort se dissipe, me laissant à nouveau vulnérable. Mais c'est ça qui est bon ? C'est ça qu'on veut ? Si on peut gérer la question en bas... Hey, pourquoi j'avance plus là ? Ouais, ok, alors on va faire un truc. En revanche, le jeu était vraiment chargé à certains endroits. Ça fait une bonne protection en revanche ça. L'épée. Plus évident à utiliser pour l'instant, on n'a pas mieux. J'ai hâte d'avoir la meilleure arme. Enfin la meilleure arme, non c'est même pas, c'est celle que je considère comme la meilleure arme. Ok, donc là on était rentré, par où on était rentré ? On a vu une maison, je sais plus laquelle. On arrive en bas. Alors j'essaye de pas bouger trop vite. Ah ben c'est celle-là. Et on est ressorti ici. Ok. Donc là on va avoir une petite maison à faire là, une autre là, une autre derrière. Ah ouais. Allez, la première. Parce qu'en plus, il va repop. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Rien à voir de l'autre côté du comptoir.
Ou sinon, ce que je peux faire... Ouais, ça, non, d'accord. En revanche, ça. Parce qu'à la rigueur, l'autre, on peut l'avoir avec ces trucs-là facilement. Et on en aura beaucoup. On en aura à foison. Alors, ok. Ouais. Quand on en parle, pour une, par rapport à tout ce que j'ai dépensé, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. J'aurais préféré en avoir un tap plus. Allez, deuxième baraque, bim. Non, j'avais soif. Alors, 2 x 3. Nouveau pouvoir. Nouveau pouvoir et une sauvegarde. Juste là. On la prend, la sauvegarde, on prend tout. Allez, vas-y, sauvegarde. Putain, avoir les rechargements, avoir le temps de chargement comme la console à l'origine, franchement, moi, ça me fout en boule. C'est la violence. Mais au moins, on est totalement immergé. Ah oui! Nouvelle armure. On fonce. Et ouais, la magie qui recharge. Alors, il y a les ombres au sol, je sais pas si vous les voyez. Je suis pas sûr que je puisse marcher là-dessus. Voilà. Alors, je sais pas si je peux marcher là-dessus. Hey, Victor! Allez, go, go, go! Ça annonce quoi, là? Ok. Ok. Waouh, 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 il y a des ombres, il y a des ombres. Là. Hey, Victor! Ah, c'est juste de la glace. J'aime pas les mondes avec de la glace. Ok, fallait juste tuer celui qui était au milieu, et c'est tout. Hey! Pas besoin. Ça, je prends. Ce qui est chiant, c'est la répétition de tous les petits sons, en fait. Parce qu'en soi, l'ambiance est très bonne. Mais...
Va te faire foutre. Ah, il est déjà mort. Par où on va? Eh ben, ça va être en bas, vu que là, la porte est fermée. Interrupteur doit être en bas. Yes. Ah la vache. Mais... Ah le bouton. Le bouton, le joystick en fait, c'est pas super agréable. Il est très sensible. Non. Oui. Oh, 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 oh. Ok, on a repris un peu de vie. Ah, ça! Je suis un peu bourrin, j'avoue. Je suis pas ce qu'il y a de plus délicat. Ancien, je pense que c'est ça. Allez, toi, viens là. Hey, on va se calmer deux secondes. Ouais, je voulais essayer de les avoir. Ensemble. Pas de porte, rien. Ok. Et on l'a ici. Des formes inférieures des morts vivants sombrent rapidement dans la trahison. Avec mon armure d'os, ils réfléchissent longuement avant de défendre. Bon, le mixage des voix est pas top, mais on va tout de suite changer d'armure. Regardez-moi ça. Armure d'os. Eh, ça pète la classe. Et pareil, il y aura mieux. Sauf que je m'en rappelle plus. Les armures, je ne m'en rappelle absolument pas. Je me rappelle de l'arme que j'ai utilisée à fond les gamelles. Babe Victor. Ok. 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 Pour l'instant, on est pas mal. Ah ouais, je pensais qu'il allait crever. Ok, là on a plusieurs trucs.
Hey. Non, c'est pas ça que je voulais. On va mettre un peu de lumière là-dedans. Ouais, ok, c'est bien, j'ai bien fait de garder le... l'énergie. Là, il y avait une ombre par terre. Et toi, t'es là. Il est mort ou pas? Voilà, je vais garder la ressource pour la fin. Ouais, il y a du trajet là. Ces missiles à tête chercheuse sont dégueulasses. Merde, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas ce que je voulais faire. Ok. Ah, mais je pensais qu'il était mort, lui. Ok. Ouais, il y avait rien. Ouah ! Et là, on fait le tour. Mais ils m'ont éclaté. On va remettre un coup de... Hop, ça. Ça. Et voilà. Voilà, on aura tout rechargé tranquille. Et là, une maison, deux maisons. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer là? Non, pas du tout. Eh, celui-là.
Il y a un truc en bas là ? Ce sort débarrasse mon corps de tout poison dangereux. Très utile avec toute la saleté qui m'entoure. Alors la question est-ce que c'est un chemin ou est-ce que c'est juste une petite pièce en plus ? C'est un chemin. J'ai vu l'escalier sur la droite, la pièce tout à droite. Donc, il reste une maison plus loin. Bon, allez, tiens. Ouais, celui-là. En prévision de l'autre débile qui est juste derrière, là. Voilà. Il y a cette maison là, et du coup celle-là, elle ne doit pas avoir de pièce suivante. Bon, rien à faire. En revanche, le dessin du coup de l'épée, ouais. Je l'ai aligné. Fait très mal. Ah, le village fera tout l'épisode. Alors, on peut buter les fantômes. Benedictus ! On a... Ok, 4 pièces. Les portes sont... toutes fermées. Celle du haut aussi. Eh ! Changement d'arme. Massue à pointe. Oui, on sait. Allez, charge, charge, bim. Voilà. Ici, on a un petit quelque chose. Toujours fermé. Là, c'est ouvert. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Un mélange de mort et d'étripage. Au destin de choisir la déconfiture de mes ennemis. En face, là. Vae Victus! Vae Victus! Là, ça veut dire que en bas à droite. Et non, il y a une pièce là. Il y a une pièce en haut, moi je veux y aller. Thank you.
Ça, ça se détruit pas. Vae victas! Mais là, pour y aller. Ou j'aurais loupé un truc. Il y avait quelque chose par là ou pas? Ok, je fais une petite recherche. Ok, pas de Solus, j'ai pas trouvé, rien, que dalle. En même temps, perso, on va remonter juste sur la salle, vous allez voir. Pour moi... Ouais, c'est... Enfin, pour l'instant, je vois pas trop, mais je pense que c'est un point de retour quand on est... merde. Quand on est mort. J'ai un doute. Ok. Je me disais que peut-être... Une maison et la sortie de la forêt. Voilà, on recharge un peu. Une maison ici. Il y a un truc là. Vae victas! Vae victas! Plein de trucs à récupérer. Ça en passe des choses. Non, rien, ok, d'accord, très bien. Plein d'items, là, franchement, cette maison-là, elle est rentable. Et là, on peut monter. Et un point pour s'envoler. On a là par là. C'est tout? Kouragen? Bastion hey. De Malek, hardiment perché au sommet de la montagne, noir comme la nuit, son ombre se dressant au milieu d'un manteau de neige. Quel homme choisirait une terre si rude et si désolée? Voilà, donc là,
on va pouvoir s'envoler directement là-bas. Donc on va déjà actionner celui-là. Petit coup d'œil, s'il n'y a rien. Et on va aller directement sur place. Point de sauvegarde. Et ce sera fin d'épisode. Un peu plus long que d'habitude. Donc là, on est ici. Comment ? Ah, je peux m'envoler là, et je peux m'envoler là, voilà. Je suis désolé, du coup, je vois que l'image est très chargée en lumière. Et on est au bastion de Malek. Ah ! Je sais que tu es ici, démon. L'odeur nauséabonde de la mort s'agrippe à toi. Voilà, et Malek, ce sera l'épisode suivant, normalement. Bay-Victor ! Ah bah non. Bon bah, c'est ici. J'aurais juste une sauvegarde. L'intérieur était aussi froid et stérile que la neige à l'extérieur. Les armures vides et l'acier tranchant et cruel étaient alignés contre les murs. Bon. Dans le doute, bah là, je vais stopper l'épisode maintenant. Malek, prochain épisode. Je vous dis rendez-vous au prochain. A plus, bisous à tous. Ciao.